Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 360, nan rubrique noua, ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter les stratégies de Néhémie dans la deuxième partie de son livre qui parle de la restauration spirituelle du peuple. Ici, nous dans chapitre 7 pour arriver dans chapitre 13. Mais avant tout, faisons un peu d'histoire, une mise en contexte, pour qu'on bien comprendre ce qui a passé dans la dernière partie, dans le livre Néhémie. Les rois Salomon, petit David, te fin désobéi à l'Éternel, les 12 tribus d'Israël te subdivisé en deux. De côté, nous te gagné le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec 2 tribus. Mais jugement mon Dieu contre l'idolâtrie t'a pas frappé ces deux royaumes. Premièrement, le royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ. C'est Assyrien yo qui t'a déporté 10 tribus ça qui t'a constitué royaume du nord et yo t'a dispersé partout dans le monde. Yo pas de jambe tourner en tant que nation en Israël. Ou capable li 2 Rois chapitre 17. Babylonien yo en 586 avant Jésus-Christ, yo te vin pran des tribus yo et mené yo à Babylone en captivité. En 539 avant Jésus-Christ, les Perses te envahi Babylone et yo te gen contrôle empire là. Et rapidement en 538, roi Perse là, Cyrus, li te bay l'ordre pour peuple juif là tourner à Jérusalem. Juste avant le retour de Néhémie à Jérusalem en 445, il y a plusieurs groupes qui étaient en tournée à Jérusalem. Ils étaient rebâti le temple de Dieu. Mais pourquoi il y a une véritable restauration spirituelle parmi le peuple? Et c'est comme ça, dans le chapitre 7, dans le livre Néhémie, nous rejoignons la stratégie Néhémie. C'est commencer à organiser les ressources spirituelles et humaines disponibles à Jérusalem. Néhémie te comprend, reconstruction miraille ni rebâtissement temple pas utile en rien si le peuple n'est pas restauré spirituellement. Le peuple avait besoin d'un renouveau spirituel. Et Néhémie te bien comprend, peuple là des engagements pâles pour jouer dans ce réveil spirituel désiré. Chapitre 8, c'est un retour à la loi, à la parole de l'Éternel. Désormais, la loi de Dieu, les saintes écritures te viennent trouver yo au centre des principales préoccupations de la vie de ce peuple. L'an chapitre 9, c'est vrai, tipa, mais avec une détermination extraordinaire, Néhémie a franchi les étapes de la restauration spirituelle parmi le peuple. Néhémie t'a invité peuple là à jeûner, à prier et à confesser leurs péchés à Dieu. Et dans chapitre 10, Néhémie t'a demandé peuple là pour reprendre engagement yo, alliance qui était passée avec Dieu pour servir Dieu lui-même et lui-même seul. Yo t'a pris bon genre résolution pour offrir à Dieu des cultes qui lui soient agréables. Chapitre 11, travaille la patte petit. Mais Néhémie te fait preuve de courage et de foi. Néhémie repartit le peuple sur le territoire disponible alors. Et tout ça te fait dans l'ordre avec justice, sans parti pris. Au chapitre 12, Néhémie fait le dénombrement des serviteurs et des servantes de Dieu. Et li bayo des postes de responsabilité. Et dans chapitre 13 là, li mande pour youn veye sous l'autre parce que yo c'est un seul peuple. Et tête ensemble, l'union, l'unité, c'est une force extraordinaire pour combattre l'adversaire. Bien que dans contexte pa nou, ça fait longtemps n'a répété l'union fait la force. C'est youn nan bagay nou besoin réaliser une fois de plus pour sauver ce petit pays. Nous besoin mettre tête nous ensemble, compter sur qualité ressources que nous gagnons qui capable aider nous combattre l'ennemi qui en face nous yo. Et il faut toujours faire en sorte de donner à César
ce qui est à César, et surtout à Dieu ce qui est à Dieu. Notre reconnaissance à Dieu dans cette bataille, il doit manifester par des actions de grâce. Parce que nous avons la certitude que notre Dieu nous donnera la victoire. Et pendant la veillée, une sous l'autre, nous avons consacré et la vie nous et projet que nous gagnons à Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Zaminio qui t'a suivi nous dans le numéro rubrique ça, nous espérons tout bon vrai ou quitter les stratégies utilisées par Néhémie dans ce livre capable d'inspirer. Et c'est comme ça nous-mêmes nous prenons rendez-vous ensemble avec vous pour notre plus prochain numéro. Merci.